أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فأشهد الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله pour une trentaine de minutes qui nous est là devant nous, nous pouvons essayer d'apprendre ensemble tafsir, explication concernant Sourate al-Fatiha. Et Inch'Allah, sa coula, il peut durer pendant 14 jours, environ 14 jours, afin qu'il nous bénéficie maximum avec sa quantité de temps libre qui nous finit gagner là suite à sa lockdown qui finit dans l'eau. Là. Donc, un rappel, tous les jours, nous prenons trois sessions. Première session, le matin, Frère M.T. Azogdoul vous explique concernant Hadith, plus précisément, pour faire un Hadith qui est dans le livre 40 Hadith An-Nawawi. Ensuite, deuxième session, après Namaz Zohar, moi-même, vous faites tafsir Sourate al-Fatiha et 13 petits surahs, pendant depuis Sourate Takathur jusqu'à Sourate Nas. Et après Asar, pour nos frères, Aoubakar Bakas, l'Ilibkoz, l'eau, Sira, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc sans plus tarder, nous commençons avec Sourate al-Fatiha. Sourate al-Fatiha, citant sur introduction même, elle est assez longue, sur la valeur qui s'assure là, le bénéfice, le bienfait est assez long, et la signification que sa sourate là est importante, nous ne pouvons pas terminer dans un seul jour. Donc nous faisons la première partie aujourd'hui, et Inch'Allah demain, nous terminons avec Sourate al-Fatiha. Sourate al-Fatiha, c'est une sourate makkiya. Sourate al-Fatiha, c'est une sourate makkiya. Qui veut dire ça? Souvent, les fois, nous allons dire une sourate makkiya ou bien madaniya. Ou bien un ayat de Makkiya, ou bien li Madaniya. Il y a plusieurs opinions qui sont savantes, plusieurs définitions qui sont relamas, qui sont mentionnées concernant un ayat, ou bien une surah qui Makkiya, ou bien un ayat, ou bien une surah qui Madaniya. Imam al-Suyuti, rahimahullah, dans ce livre, l'Itqal fi Ulum al-Qur'an, l'Iziya, Ashharuha, ce qui est plus commun dans sa définition-là, أن المكي ما نزل قبل الهجرة سكي أن سورة وبيان آيات كي مكية سيدان سورة وبيان آيات كي فين ديسان avant كي le prophète محمد صلى الله عليه وسلم في هجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة أن سورة وبيان آيات كي مدنية سيدان سورة وبيان آيات كي فين ديسان أبري هجرة سواء نزل بمكة أو بالمدينة. Qu'il y soit surah là, fin descend dans la ville de Makkah ou bien dans la ville de Madina, peu importe. S'il y a avant Hijra, il est considéré comme un surah ou bien un ayat Makkiya. S'il y a après Hijra, il est considéré comme un surah ou bien un ayat Madaniya. Maintenant, si un ayat Quran ne révélait pas dans Hijra, ça aussi pareil, il est considéré comme un ayat qui Makkiya. Surah al-Fatiha, donc, c'est un surah qui, comment on dit, c'est un surah qui Makkiya. Il y a plusieurs hadiths qui mentionnent les noms qui sont sur l'Al-Fatiha. Et sa même surah sur l'Al-Fatiha, sa même surah qui n'a plus beaucoup de noms. Dans la surah qui est dans le Coran, surah qui n'a plus beaucoup de noms, c'est surah sur l'Al-Fatiha. Et normalement, il y a une culture, il y a une coutume, par exemple, arabe, quand j'ai envie de montrer l'importance d'une petite chose, ou bien quand une petite chose qui est vraiment importante pour les arabes, et nous trouvons plusieurs noms pour dire même quelque chose. Alors, il y a une surah dans le Coran qui a des noms, trois noms, et qui a un seul nom. Et sur l'Al-Fatiha, nous trouvons qu'il y a plusieurs noms qui mentionnent le hadith concernant sa surah. Premier, c'est Al-Fatiha. Premier, c'est Al-Fatiha. Ou bien, un autre nom encore qui proche avec ça, c'est Fatihatul Kitab. Al-Fatiha, Fatiha veut dire ouverture. Qui fait appel à Al-Fatiha ou bien Fatihatul Kitab? Parce que ça même, quand nous ouvrons le Coran, comme si nous pouvons ouvrir le Coran, écrit, surah qui nous gagne, c'est Al-Fatiha. Et comme ça même surah qui nous ouvre lecture Coran dans Namaz.
À cause appelé Al-Fatiha ou bien Fatihatul Kitab. Un autre nom pour sa surah là, c'est Ummul Kitab. Un autre nom pour sa surah là, c'est Ummul Kitab ou bien Ummul Quran. Le mot dans la langue arabe littéralement veut dire maman. Mais seulement, il y a une pratique commune, par exemple, arabe, pour qui je appelle quelque chose qui est plus important, qui est plus central, je t'appelle l'Oum. Par exemple, un bureau d'administration dans l'école, je t'appelle l'Oum ou le madrasa. Alors, sur Al-Fatiha, étant donné qui, comme Imam al-Tabari, il dit, quand il explique sa nom Oum ou le kitab, il dit, « L'annaha mutaqaddimatun ala baqi as-suwar fil kitabati wal qira'a » Parce que sa surah, la surah Al-Fatiha, les devances, les plis avant, les plis meilleurs qui vont les autres surahs, qu'ils soient dans l'écriture ou bien dans les lectures. Il continue de dire, فَكَأَنَّهَا لِبَاقِ سُوَرْ أُمَّنْ وَإِمَامَنْ Comme si vous allez les surahs, surah Al-Fatiha, les un maman ou bien les un imam. C'est-à-dire les deux l'avant, les pas devant, les plis meilleurs qui vont les autres surahs. Maintenant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a mentionné pour sa surah là, Inch'Allah nous passons à un hadith là, quand nous causons l'ovalia surah al-Fatiha. Maintenant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, As-sab'ul-mathani veut dire les sept versets répétés. Qui fait les sept versets répétés parce que surah al-Fatiha est dans sept ayats, et qui fait nous répéter parce que surah al-Fatiha nous lit dans chaque rakat namaz qui nous fait. Donc, minimum 17 fois par jour, un dimoun li bizan lire surah al-Fatiha. Donc, il répète sa surah là 17 fois par jour. Un autre nom encore que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donné pour surah al-Fatiha, Al-Qur'an al-Azim, le grand Qur'an. Le grand Qur'an veut dire sa Qur'an en entier. Pas depuis sur Al-Fatiha, est-ce que sur Al-Nas, sa Qur'an en entier, sa connaissance les résume dans sur Al-Fatiha. Sa connaissance les résume dans sur Al-Fatiha. Comme si dirait, si tu n'as dit sur Al-Fatiha, une façon de parler, les types suffit pour nous, et si tu as tous les autres surahs à part sur Al-Fatiha, comment dire, tu peux être manquement dans sa Qur'an. Un autre nom encore pour sa surah là, Al-Hamd. Surah Al-Hamd. Parce qu'il commence par Alhamdulillah Rabbil Alameen. Un autre nom pour sa surah là encore, As-Salah. Donc en résumé, nous disons Al-Fatiha, Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, Al-Quran Al-Azim, Alhamd, et Astera nous disons As-Salah. Basant le hadith qui rapportait par Muslim, Abu Huraira radiallahu anhu, il disait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin disait من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج. celui qui fin fait namaz et dans sa namaz là il pas fin lire sourate al-Fatiha, alors sa namaz là est namaqman, sa namaz là est namaqman, sa namaz là est namaqman, ou bien sa namaz là n'est pas complète, sa namaz là n'est pas complète, sa namaz là n'est pas complète. Là il y a une divergence côté fiqh qui ne va pas prendre en profondeur là-dedans, mais c'est moi qui mentionne l'opinion, parce que c'est l'opinion Abu Huraira radiallahu anhu, et il est mentionné dans sa texte qui est là devant nous. Alors, un premier tabi'in finit avec Abu Huraira, faqila li Abi Huraira, inna nakunu wara al-imam. Il dit certainement, parfois nous faisons la masse derrière l'imam, alors c'est-à-dire parfois l'imam peut lire, comment nous sommes capables de lire nous? Faqala, Abu Huraira radiallahu anhu dit اقرا بها في نفسك lis sa sourate là pour toi, mais tranquille en silence. فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول parce que moi le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم dit قال الله عز وجل Allah تعالى في الجزء ده حديث قدسي الحديث بتقول مسلم قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين. Un très très joli hadith pour faire nous comprendre valer sur Al-Fatiha et en même temps nous comprendre qu'il fait sa surah là, ce nom c'est As-Salah. Qasamtu As-Salah bayni wa bayna 'abdi nisfayn, mufin divise As-Salah entre moi et mon serviteur, mon divise en deux.
Imam Ibn Kathir, rahimahullah, il dit que la salat ici, c'est al-qira'a fi salat, c'est lecture Coran dans la masse. Et remarquez que dans sa hadith là, à trois reprises, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa li 'abdi ma sa'al, mo budon mo serviteur, ce qui mo serviteur peut demander. Alors, un hadith qu'aussi Allah ta'ala peut dire قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وفي ديفيز الصلاة سورة الفاتحة أو بيان لكتشوية دون صلاة أو دو أنت موت مسيفيتيا ولي عبدي ما سأل إي مو بدون مسيفيتيا سو كي لي دوموندي فإذا قال العبد فين فيجون سوا دي فان نبتي ديا صلاة تتن ديالوغ أنت أن سيفيتيا إك سورة فين فيجون لا نو دون أماز Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi lui dit فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ quand serviteur là dit الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ première ayat dans surah al-Fatiha قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ أَلَّا تَعَلَى dit Allah subhanahu wa ta'ala répond lui dit حَمِدَنِي عَبْدِي mon serviteur fin fait mon éloge وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ quand serviteur là dit الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال الله عز وجل ألا تعالى دي أثنى علي عبدي مسيفتي في الفلات مو وإذا قال مالك يوم الدين قال سيفتي لا دي مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي الله سبحانه وتعالى دي مسيفتي بغلوريفي مو إن نوت رواية وقال مرة فوض إلي عبدي مسيفتي في Il prend lit comme si je dirais cet invité-là, il prend tout ce man tracas, tout ce man affaires, il met dans la main Allah subhanahu wa ta'ala, une dépendance totale de Allah. Wa idha qala, quand cet invité-là dit, Maliki yawmiddin, qala Allahu, pardon, wa idha qala, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, quand cet invité-là dit, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, qala, Allah subhanahu wa ta'ala dit, هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. جيت كي الله تعالى ديالا. هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. سالي أنت مو إي مو سيفيتي إي مو بو دون مو سيفيتي سو كي لي بي ديموندي. Imaginez Allah Ta'ala peut dire pour un serviteur qui peut lire sa surah là dans la masse, ça entre moi avec lui, ça peine à troisième, peine à personne là. Entre moi avec mon serviteur ça. Et je vous donne mon serviteur ce qu'il peut demander. Deuxième fois. Allah dit, je vous donne mon serviteur ce qu'il peut demander. Wa idha qala, et quand serviteur là dit, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah subhanahu wa ta'ala dit « هذا لعبدي » ou « لعبدي » et ça, li pour me serviter et me pour donner me serviter ce qui lui peut demander. Troisième fois, Allah subhanahu wa ta'ala dit « me pour donner me serviter ce qui lui peut demander. » Donc, frère l'islam, genre l'islam, quand un dimoun li peut lire sa surah là, surah al-Fatiha dans la masse, li bizin prend conscience, met dans son esprit que Allah subhanahu wa ta'ala peut observer. Il peut prendre conscience que Allah subhanahu wa ta'ala peut répondre chaque ayat, chaque phrase qu'il peut dire. Donc, basant sur ce hadith-là, nous déduisons un nom pour maintenant le surah al-Fatiha, c'est-à-dire As-Salah. Un autre nom encore qui s'assure là, il y a dans le hadith qui tourne dans Bukhari et Muslim. Donc là, c'est-à-dire basé sur ce hadith qui tourne dans Bukhari et Muslim, là, c'est Ar-Ruqya. Basant un événement qui finit d'arriver quand un groupe de sahaba, je te donne un voyage, je te fais une route d'hospitalité avec un village, avec une tribu, maintenant refuse de l'hospitalité. Alors je te fais une copie en déo. Sif sa village là, il gagne piqué avec un bébé. Ben, dis-moi dans sa village là, je ne paye aucune solution, je ne paye aucun remède pour ce sif. Alors que je te fais une fée, hein? Je finis avec sa man sahaba là, man compagnon là, et je finis de man man, est-ce qu'il y a des gens qui tremènent pour ce qui est arrivé là? Effectivement, parmi là-dedans, il finit lire Suratul Fatiha.
Li fin lire suratul Fatiha et sa chef là fin lever comme si dirait pas d'arrivée non rien ni commencement, c'est normal. Et en retour ben là fin de sa man compagnon là bouton dilé etc. Alors ben là je ben compagnon là fin demande sa compagnon qui fin lire là est-ce qu'il te un raki, c'est-à-dire est-ce qu'il te un dimoun qui habite faire raki comme si guéri dimoun dimoun là j'ai pas de raki moi. Simplement, vous connaissez sur Al-Fatiha, vous pouvez faire un clé avec sur Al-Fatiha. Alors, ben là, il dit, moi, bon, mais nous pas pour tous ces man moutons là, c'est-à-dire nous pas pour consommer ces man moutons là, aussi longtemps qu'il nous pas besoin de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et nous demander concernant ce qui finit arriver. L'état de Sahaba finit jeune, l'état je retourne dans Madina, je finis jeune Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, étant fin écoute cette histoire, il finit dire avec ben sa sahabi là d'une façon qu'il n'a apprécié ça qu'il fait faire d'une façon qu'il peut préconise ce qu'il fait faire peut d'accord avec lui wa ma yudrika annaha ruqya qu'est-ce qu'elle dit à toi un ruqya ça quand elle peut montrer son appréciation même phrase nous sommes capables d'y aller pour montrer qu'il n'est pas d'accord ça n'a là non Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire lui pour montrer son appréciation wa ma yudrika annaha ruqya qu'est-ce qu'elle fait dire à toi qui c'est un ruqya ça. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer que ça qui vient de faire là, c'est bon, ça qui s'est ravi de faire là, c'est bon, et aussi pour montrer que sa mouton qui vient de prendre là, c'est halal, l'indieman là, God and boot sa mouton là pour moi. C'est pas vrai que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit si, comment dire, puis on vit dans ce mouton, non. C'est-à-dire pour montrer que, comme un sahaba, pour trouver que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il mange ça, alors, je vous comprends qui c'est qui, je vais faire là les bons et mouton là les halal. Donc, nous résumons encore un petit guide de sa sourate là. Quelques bannons qui nous font récit mentionnés ici. Premier, nous avons Al-Fatiha, nous avons Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Sab'ul Mathani, Al-Quran Al-Azim, Al-Hamd, Al-Salah et Al-Ruqya. Et là, comment les autres noms qui. Nous avons gagné le tafsir, par exemple, le tafsir Imam Ibn Kathir, il mentionne encore un nom pour sa sourate. Mais il suffit qu'il trouve sa quantité de noms qui sa sourate. Et là, ça donne une indication concernant l'importance de sa sourate. Maintenant, nous avons indiqué valer l'importance et vertu sur Al-Fatiha. Pour nous comprendre en islam, c'est en islam qui nous est avec nous un surah qui presque tout musulman qu'on peut acquérir, grand et petit, mais en vérité c'est un trésor. Sa surah là, c'est un trésor. Et d'ailleurs, nous apprenons ce hadith qui tourne dans Bukhari et Muslim. Quand un dimon est piqué avec un bébé, un sahabi lit sur la Fatiha, le lit et ça finit en guérison. L'extrêmement approprié dans l'époque qui nous était là, dans sa situation qui nous était avec coronavirus. Nous avons une guérison. Nous avons une guérison avec nous. C'est un démon lié ça avec yakin. Tawakul total et certitude de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce surah là, c'est un ruqya. Un autre nom pour lui, c'est un shifa. Un shifa. Et. Nous avons l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son compagnon, comment je fais servir ça comme un ruqya et il porte ce fruit. C'est un man salaf, je te peux dire. Anzalallahu azza wa jal mi'atan wa arba'a kutub. Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie 124 livres. Jama'a ilmuha fi arba'a. Ça 124 livres qu'Allah fin envoie. Là, il fin regroupe ça. Connaissance qu'il y a dans 124 livres, là, dans 4 livres. Taurat, Zabur, Injil, avec Al-Furqan, c'est-à-dire Coran. Wa jama'a ilm al-arba'a fil Coran. Et ces 4 livres-là, Allah fin résume ce connaissance dans Coran. Wa ilm al-Coran fil Mufassal. Et Allah fin résume connaissance qu'il y a dans Coran dans. Ben, c'est une mansoura, wa ilm al-mufassal fil Fatiha, mansoura qui est connue comme al-mufassal, et sa man connaissance là, il résumé dans sourate al-Fatiha. En deux mots, sa 124 livres qu'Allah Ta'ala fin envoyé dans la terre là, pardon, 104 livres qu'Allah fin envoyé dans la terre là,
Ce connaissance, tout ça va dire qu'Allah fait envoyer le bon prophète là. Ce connaissance résume dans Surat al-Fatiha. Et Surat al-Fatiha, tout ce qui est là-dedans, il résume dans un seul ayat. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Donc, nous trouvons que sa surah là, vraiment une belle valeur contre Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith qui trouve dans Bukhari, صحابي أبو سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه زيا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيا موا في جس صحابي لا أبو سعيد رافع بن المعلى إلى أن يفهم ماذا يلا أبو سعيد رضي الله عنه يسوي فينا ماز نمازين نماز نفيل بيان شوية رسول صلى الله عليه وسلم في فينين خيالي أبو سعيد بان ريبون رسول صلى الله عليه وسلم خيالي أبو سعيد بان ريبون Jusqu'à qui, étant il finit son amas, il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit est-ce qu'Allah pas fin dit quand Allah se rassoule puis appelle-toi, répondu. Donc ça montre nous qui, dans vivant, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux parmi nous, tu peux même un sahaba bien sûr, s'il peut crier un sahaba, répondre sur l'appel, tu as la priorité le faire un ibadat qui n'a fin. Alors, ce sahabi là, Abu Sa'id, Mais fin fin, qu'est-ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin ziyadi. Ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja min al-masjid. Est-ce qu'il ne va pas enseigner toi plus grand surah qui est dans le Qur'an avant qu'il te sorti dans le masjid? Fakhadha biyadi. Il fin trappe mon ami, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin trappe l'ami Abu Sa'id. Falamma aradna an takhruja quand nous sommes sortis dans le masjid, qu'il nous fait dire, « Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, « Innaka qulta la'u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. » Il nous fait dire qu'il te peut enseigner moi plus grand surat qu'il y a dans le Qur'an. « Qala, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'u al-mathani, wal Qur'an al-azim al-lazhi utituhu. » Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, les gens avec Abu Sa'id, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, sa plus grand surah là, c'est surah Alhamdulillahi Rabbil Alameen, hiya sab'ul mathani, c'est les sept versets répétés, wal Qur'an al-Azim, et c'est le grand Qur'an qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de moi. Dans notre hadith qui tourne à Tirmidhi, Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, رسول الله صلى الله عليه وسلم زي avec أبي قال أتحب أن أعلمك سورة اسكت أولك ما سينتو أن سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها ني دا توراة ني دا إنجيل ني دا زبور ني دا فرقان فرقان c'est à dire Coran pas fin révèle أن سورة pareil comme sa سورة Quatre plus grands livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyé, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qui dans sa quatre livres là, peine un surah qui est la même valeur qui paraît comme sa surah qui lui balançait Ubay ibn Ka'b. Ubay radiallahu anhu dit, قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي bien sûr oui au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit avec Ubay, qui te lie dans namaz? Kala, fa qara'a umma al-Qur'an, Ubay radiallahu anhu fin liya surat al-Fatiha. Fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dit, Wallazi nafsi biyadih, parce c'est lui qui me nafse dans son armée, lui fait ses mal au Allah, ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها Ni dans Taurat, ni dans Injil, ni dans Zabur, ni dans Coran, pas fin ena en surah pareil comme ça. Wa innaha sab'un min al-mathani, c'est sept ayats répétées. Wal Qur'an al-Azim, c'est le grand Qur'an, alladhi u'titouhu, qui m'a fin gagné avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith qui trouve dans Al-Tirmidhi. Dans le hadith, qui trouve dans Bukhari, Ibn Abbas radiallahu anhuma, lisia, بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه
Une fois que Jibril alayhi salam, tu peux assiser avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il finit tan en tapaz l'eau sur la tête là-haut. Il finit tan en tapaz là-haut. فرفع رأسه لفين ليف سلاتين فقال إليفين جي هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط. Ça c'est un lapin depuis le ciel qui finit ouvert aujourd'hui et avant ça il pas ouvert du tout. C'est-à-dire une seule fois ça la porte est ouverte, mais ça ne fait qu'un portant qui vous passe pas sur la porte là. فنزل منه ملك. Et un ange fin passe pour la porte là, fin descend. Faqala, Jibril alayhi salam dit, Hadha al-malaku nazala ila al-ardi. Sa ange là fin descend dans la terre. Lam yanzilu qat. Avant ça, jamais il fin descend. Donc, un ange qui première fois peut descendre dans la terre. Il passe pour la porte qui est une ouverture spéciale. Spéciale pour cet événement là. Un ange spécial. Il passe pour la porte spéciale. Et je finis descendre. Je finis faire salam. Jibril alayhi salam avec Rasoul sallallahu alayhi salam. Et il finit dire à sa ange là. Ange là finit dire avec Jibril alayhi salam. Abshir binuraini utituhuma lam yu'tahuma nabiyun qablaka. Il dit avec Rasoul sallallahu alayhi wa salam, sa ange, qui il descend dans la terre juste pour faire sa mission là. Il passe par la porte qui nous ouvre juste pour sa mission là. Les gens avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam gagnent une bonne nouvelle de lumière qui te fin gagner toi et avant toi aucun prophète pas fin gagner. Fatihatul Kitab, Surah Al-Fatiha, wa Khawatim, Surah Al-Baqarah et ben, dernier ayat dans Surah Al-Baqarah. Lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'titahu. Tu ne peux pas lire une lettre dans sa dila. C'est-à-dire dans Surah Fatiha, dans le dernier ayat, dans Surah Al-Baqarah, excepté qu'Allah vous donne toi ce qui est là-dedans. Qui veut dire ça? Allah vous donne toi ce qui est là-dedans. Ben, ulama, je t'explique ça. Je veux dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne récompense qui est là dans lecture Surah Al-Fatiha avec dans le dernier ayat dans Surah Al-Baqarah. C'est-à-dire récompense beaucoup plus qui ben, les autres places dans le Coran. Et deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala pour répondre du'a qui est dans sa délai dans Surah Al-Baqarah, pardon, dans Surah Al-Fatiha, ihdina as-sirata al-mustaqim et dans Surah Al-Baqarah, faghfir lana, dans dernier ayat dans Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala finit devant nous pour demander les pardons. Donc, ça quelques hadiths là, les montrent nous clairement l'importance et valeur Surah Al-Fatiha. L'importance et valer Surah Al-Fatiha, c'est un surah qui nous bise à dans chaque rakat dans Namaz. C'est un surah qui il y a un dialogue entre un serviteur avec Allah subhanahu wa ta'ala quand un serviteur là peut lire ça dans Namaz. C'est un même plus grand surah qui Allah fait révéler l'eau la terre. C'est même plus grand surah qui Allah ta'ala fait révéler l'eau la terre. Surah Al-Fatiha, c'est un guérison, c'est un shifa. Surah Al-Fatiha, un ange fin descend l'eau la terre spécialement pour finir informer Rasoul sallallahu alayhi wa sallam concernant vertu de sa surah là qui c'est une lumière et dua qui nous demandait là dans Allah subhanahu wa ta'ala pour répondre nous sa dua là. Surah Al-Fatiha il a 7 ayats. Surah Al-Fatiha il a 7 ayats mais la divergence par Ibn Savant est-ce qu'il bismillahirrahmanirrahim les formes partie dans ban ayat surah Al-Fatiha est-ce qu'il bismillahirrahmanirrahim li faut partie dans sa surah là ou bien li un ayat qui apporte ou bien li pas dans surah Al-Fatiha pareil comme on commence sur chaque surah au commencement de chaque surah bismillahirrahmanirrahim mais c'est pas un ayat là-dedans sauf dans surah Tauba puis dans bismillah au commencement sa surah là mais dans surah An-Naml au milieu surah là il y a un ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ben savant qui dit que bismillahirrahmanirrahim est une partie dans surah Al-Fatiha, je dis qu'il y a surah là, il y a cette ayat. Mais dernier ayat, ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, waladdalin, and sil ayat. Ben savant qui dit que bismillahirrahmanirrahim n'est pas une partie dans surah Al-Fatiha, je dis que dernier ayat, ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladhina an'amta alayhim, septième ayat, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et c'est une divergence qui, d'ailleurs, le Coran qui est imprimé dans Madina, quand nous voyons le Coran, il numérote Bismillah ar-Rahman ar-Rahim comme premier ayat.
le numéro Bismillah ar-Rahman ar-Rahim comme premier ayat. Alors, basant le hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn, muffin divise as-salat, lecture dans la masse, le muffin divise sur al-Fatiha, on met mon serviteur en deux. Il n'y a pas mentionné Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au commencement. Donc, certaines bonnes savants ont une base dans sa haditha pour dire qu'en vérité, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim n'est pas une partie intégrante dans Surah al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, nous commençons l'explication par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, étant donné qu'il est mentionné au commencement, chaque surah est mentionné au commencement Surah al-Fatiha. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم السورة. رسول صلى الله عليه وسلم لا يكون quand est-ce qu'il va une sourate terminée pour l'autre sourate commencer حتى أنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم jusqu'à qui fin révèle le lit fin révèle le رسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم donc les fin gain l'autre pour mettre بسم الله الرحمن الرحيم on commence par chaque sourate pour connaître qu'il a sourate là commencé donc avant lui sourate là fin terminée. بسم الله الرحمن الرحيم les recommander pour nous dire بسم الله au commencement chaque action qu'il nous fait et normalement le musulman est supposé faire 10 bonnes actions. Quand nous rentre dans la case, nous disons Bismillah. C'est lui qui peut dire Bismillah quand il rentre dans la case. Shaitan dit avec ce man l'homme, nous avons une place pour rester aujourd'hui. Avant nous commencer à manger, nous disons Bismillah. C'est lui qui peut dire Bismillah avant de commencer à manger. Shaitan dit avec ce man camarade, nous avons mangé aujourd'hui. Avant nous dormir, nous disons Bismillah. Et ainsi de suite. Bismillah, il y a deux mots là. Il y a bi, ba, préposition ba, avec il y a le mot ism. Quand nous écrit, il nous tient sa alif dans. Donc, ici, là, le mélange bas, là, ensemble, il vient bismi. Le mot, la préposition bi, il veut dire avec nous Allah, ou bien par nous Allah. Qui veut dire ça? Comme on peut lire le Coran, on dit bismillah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qui veut dire ça, bismillah? Ça veut dire, on peut chercher aide avec Allah subhanahu wa ta'ala. On peut chercher aide avec Allah pour ce travail qu'on peut faire là, et ici, on peut chercher aide avec Allah pour lecture du Coran. Deuxièmement, il veut dire, je vais rendre barakat avec Allah subhanahu wa ta'ala pour ce travail qu'il m'a bien fait là, pour lecture du Coran qu'il m'a bien fait. Et là, il y a des autres explications encore qui m'ont savoir une donnée, mais en général, il y a. Quand on dit, Bismillah, je vais lire le Coran, je vais chercher avec Allah pour faire lecture du Coran. Je vais dire, Bismillah, je vais manger, je vais chercher avec Allah pour manger. Je vais dire, Bismillah, je vais faire une action, je vais chercher avec Allah et en même temps, je peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour verser ce barakat normal parce que je peux commencer un travail avec le nom d'Allah. Allah, c'est Allah. Il est sorti du mot ilah qui veut dire celui qui mérite d'être adoré. Ar-Rahman avec Ar-Rahim. Ar-Rahman avec Ar-Rahim, c'est des noms Allah. Ar-Rahman, c'est un nom Allah. Et Ar-Rahim, c'est un nom Allah. Tous les des noms peut montrer un attribut que Allah subhanahu wa ta'ala il a qui appelle Ar-Rahma. Tous les noms peuvent montrer cet attribut qui appelle Ar-Rahma. Mais seulement chacun peut montrer un Rahma qui est différent. Qui veut dire ça? Chacun peut montrer un Rahma qui est différent. Ar-Rahman, c'est un nom Allah qui peut montrer Rahma, pitié qui Allah ta'ala il a pour tout le monde, musulmans et non musulmans, obéissants et désobéissants. Ar-Rahman, c'est un nom Allah qui peut montrer Rahma, pitié, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là pour tout le monde, obéissant, désobéissant. Par contre, Ar-Rahim, c'est un nom Allah qui peut montrer Rahma, pitié, qu'Allah ta'ala est là pour les mu'min seulement, pour les croyants seulement, qu'Allah pardonne les péchés, Allah récompense les zoukiyah. Maintenant, une petite chose qui est importante pour nous comprendre concernant Allah Ta'ala sur ma nom et sur ma attribut. Nous comptons très bien hadith qui fait mention qu'Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms. En vérité, Allah a plus que ça. Allah a beaucoup plus de noms que ça. Mais 99 là-dedans, man ahsaha, c'est lui qui ahsaha, dakhala al-jannah, il rentre dans le paradis. Qui veut dire ahsaha? Ahsaha,
qui souvent des fois nous traduisons par c'est lui qui mémorise ça. Alors on le trouve, et beaucoup d'efforts faire pour mémoriser 99 non là là là, c'est lui qui mémorise ça, il rentre dans Janna. En vérité, Ahsaha n'est pas juste mémorisé. Ahsaha, il a trois niveaux. Premier niveau, mémoriser. Connais. Nous connaissons qu'il y a Allah Ta'ala, il y a Rahman, il y a Allah. Nous connaissons qu'il y a Allah Ta'ala, il y a Rahim, il y a Allah. Deuxième, comprend sa nom-là. Comprend sa nom-là. Et comment nous comprenons sa nom-là? À mesure qu'il nous lit un ayat Coran, qu'il nous lit un hadith concernant Allah sur Rahman, nous comprenons plus. Et quand nous comprenons plus, nous yakin pour plus. Troisième, nous demande Allah subhanahu wa ta'ala dua par sa manoula. Ça s'appelle Ahsaha. Il y a ça trois niveaux là. Premier, nous connaissons manoula. Deuxième, nous comprenons sa signification. Troisième, nous demande Allah ta'ala dua par sa manoula. Alors, par exemple, il y a différents niveaux de compréhension. Là, nous connaissons qui Ar-Rahman veut dire celui qui a pitié. Ar-Rahim veut dire celui qui a pitié. À ça, nous connaissons qui Ar-Rahim. Les spéciales. Ar-Rahim, les spéciales, ou man qui n'a iman. Un lieu de compréhension. Maintenant, quand nous guettons un hadith ou même un ayat Coran qui cause le Allah Ta'ala sur Rahma, là, définitivement, il y a des gens qui nous connaissent ça. L'affaire, comme on dit, nous connaissons Allah et la pitié. Nous pouvons dire Allah ou Allah et la pitié pour nous. Nous pouvons dire Allah doit parce qu'il nous connaît la pitié. Mais, à nous étudier deux hadiths concernant Allah sur pitié. Premier hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala pitié qui les fin crée. Par exemple, il y a Jannah. Allah ta'ala dit Anti rahmati arhamu biki man asha'u min ibadi. Toi, tu es mon rahma, à travers toi, moi, il y a pitié pour ceux qui m'ont envie, moi, mon serviteur. Allah, quand il crée pitié, il divise pitié en 100. Nous avons une petite idée. Qui nous peut causer quand nous disons qu'Allah est Rahim? Qui nous peut causer là? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il crée pitié, il divise pitié en 100. Un dans sa sang là, il envoie ça dans la terre, et chaque créature, insans, animaux, chaque créature, il y a un bout dans sa haine pitié qu'Allah il envoie dans la terre. Quand nous trouvons un lion féroce, lui, il a pitié pour ce petit. C'est un bout dans sa haine pitié là ça. Quand on trouve une maman, il a pitié pour ses enfants. C'est un bout dans sa haine pitié là ça. Sa haine pitié là, Allah importe à sa toute bonne créature qui est dans la terre. 99, Allah Ta'ala fait une réserve pour ce bon serviteur. 99. Allah fait une réserve pour ce bon serviteur. Deuxième hadith. Une fois après la guerre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ce sahaba, je précise, je trouve une madame, une maman, il perdit ses enfants. Imagine, après la guerre, une maman, papa, trouve ses enfants, qui peut passer dans la tête de sa maman là, capable, mes enfants, ils sont beaux. Capable l'ennemi de capturer l'inalé, capable de blesser ni pas ici ni pas là. Maman là, il a affolé, peut crier, peut paniquer, peut pleurer, libéré de ses enfants. Après quelques temps, madame là résigne ses enfants. Dès qu'il fait sa vision, une maman qui perdit ses enfants après la guerre, là, il résigne ses enfants là. Comment, quelle réaction sa maman là? Effectivement, nous. Maman, les mains enfants là, ils trappent, ils comptent, ils font gâter avec lui. Et ils disent, quoi, petit baba, ils allaient, ils font les bordiller avec lui. Tout ça là, peut passer devant mon dimon. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit mon sahaba. Est-ce qu'ils ont pensé, sa maman là, ils peuvent encourager ses enfants dans 10 faits, ils peuvent capables d'être ses enfants dans 10 faits, ils peuvent s'aller qui est là? Mon sahaba dit, oh ya Rasulallah, comment une maman capable de faire ça là? Surtout, après ça qu'il nous peut trouver là, pas un enfant, un fainéant qui ne fait son maman en colère, non. Un enfant qui maman là peut montrer l'amour, l'affection pour lui là. Mais sahaba dit, non ya Rasulallah. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah il a beaucoup plus pitié
pour se servir qui pitié qui sa maman là et là pour ses enfants là. À ce temps là un dimon premier coup dimon là connaît Alain à piscine. Ensuite dimon là qu'on apprend qui quantité pitié Allah et là définitivement ça dit dimon là ou bien ça dit dimon là ce droit qu'il tu peux demander avant lui spécial la pitié lui avec ça qu'il peut demander à celle là il pas pareil. Définitivement il pas pareil. Quand il apprend encore, quand il lit encore dans les autres ayats du Coran, dans les autres hadiths, l'Allah se pitié, ce conviction, ce yakin dans le doua pour venir plus fort. Il vous demande sa doua là avec plus conviction. Alors, à cause ça qui, ben, savant, je t'explique, ahsaha, ben, non, Allah, premier, nous connons là, deuxième, nous comprenons sa nom là, troisième, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala par sa nom là. Donc, ar-Rahman avec ar-Rahim, c'est des noms Allah, qui peut montrer Rahma qui Allah. Ar-Rahman, c'est un nom qui peut montrer Rahma, pitié qui Allah pour tout le monde. Et Ar-Rahim, c'est un nom qui peut montrer pitié qui Allah pour le croyant, pour le croyant seulement. Vous tenez pour la même pour aujourd'hui, frères et sœurs en Islam. Inch'Allah, la semaine prochaine, pardon, la semaine prochaine, non, demain, Inch'Allah, nous continuons avec sa sourate. Inch'Allah, nous terminons demain. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui les guide nous pour continuer à prendre ce dîme. Que Allah subhanahu wa ta'ala guide nous, mette en pratique ce qui nous vient apprendre. Que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre toute forme, le mal, qu'Allah protège nous contre sa maladie-là, qu'Allah donne guérison, ben, qui finit affecté par n'importe quel type de maladie. Et nous faisons l'appel. Nous faisons l'appel à ben, frère, ben, sœur, pas prendre nous pour être ben héros. C'est la façon qui nous capable de combattre sa maladie-là, c'est reste dans la case. Reste dans la case. Pas sorti, pas le vacanier, pas comme on dit que man dialogue qui est là, nous peut sorti pour que t'es pas tout dit monde dans non, reste dans la case. Deuxièmement, oui, il est vrai qu'il y a du monde peut-être pour souffrir par la misère. Il y a du monde qui se travaille au jour le jour, les bouga difficulté, les pas prendre la casse avec lui pour acheter mal ration etc. N'a pas à le faire collecte de vivre à cette là pour faire distribution à cette là non. C'est la façon qui nous capable aide du monde reste dans la case. Et là en temps et lieu, pour une organisation bien sûr qui est connue, qui est crédible, qui habite fait travail là, qui pour venir de l'avant avec une mesure en collaboration avec une autorité sanitaire, la police, etc., pour venir en aide à ce monde là. Ou bien même, parfois, nous capables de trouver une équipe de jeunes, je peux pas dire de volontaires pour sortir pour aller sortir du monde si du monde a peine à transport. Pas faire une erreur pareille. Pas faire une erreur pareille. Parce qu'il pas sa maladie là pas comme un cyclone ça. Nous pas connaît qui ça là porter sa virus ça. Nous pas connaît ça nous met pas en virus ça nous amène la case contre nous. Nous met ça avec nous ban famille, nous met ça avec nous maman papa qui vient, nous met ça avec nous enfants. Donc les pour plus aide à prolifération de ce man virus là. Libo alhamdulillah, c'est lui qui est là à cœur pour faire le bien. S'il est habitué faire lui dans un moment qu'on passe dans la difficulté et il pas pérécif faire lui la cause difficulté Allah pour récompenser lui. Même la base en Jamal, c'est lui qui est habitué à faire la base dans Mazid. Et là, pour cette raison-là, il n'est pas capable de Mazid, il gagne récompense, comme si dirait, il fait la base en Jamal. Donc, pas sorti, reste dans la case, pas faire négligence, pas sentir qu'il nous vulnérable, nous jeunes, etc. Nous pas trop malade, là, non. Et là, danger, et là, bizarre propre précaution, pas expose nous-mêmes, expose la famille avec une complication. Qui Allah subhanahu wa ta'ala pardonne de nous l'autre pour expose nous. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah ta'ala de nous compréhension dans din, qui Allah ta'ala de nous compréhension et aide nous, guide nous, comment nous pouvons vivre dans ce manjou là, qui Allah subhanahu wa ta'ala aide man du monde qui peut souffrir, aide man du monde qui peut dans problème, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous tout trouver une solution afin que nous tous soyons gagnants. Jazakum Allahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pas oublier aujourd'hui après namaz asar. Et dans le communiqué dans ce lien, nous ferons Abou Bakr Siddiq Bakas pour cause l'Assira, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leçon et bénéfice. Et demain après Fajr, 6h15, nous ferons Ptiaz Abdul pour continuer avec cette explication, le hadith, Arbaoun al-Nawawi, les 40 hadiths al-Nawawi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.